tu permets que je m'habitue au déplacement là, s'il te plaît? Toi, dans la grotte, tu dois quitter ce lieu. Ce monstre, c'est Bahamut et tu ne fais pas le poids. Bon, ça a l'air d'être la ville. Oh, j'ai cru voir un Mog. Explorer. Dis donc, tu as du talent, toi. Tu es maintenant membre de la guilde des explorateurs d'Amostra. Avec ton certificat en poche, tu peux accéder au comptoir des quêtes. Désormais, tous les établissements de Libertas te sont accessibles. Oh, c'est cool, tout va être ouvert. Et si tu veux acquérir des compétences, va au cristal central sur la place, c'est là que tout se passe. La moitié d'Amostra est encore inexplorée. À toi de trouver la route qui mène au grand cristal. Je te conseille de parcourir notre île en t'entraînant avec les quêtes du comptoir. Sur Amostra, tu trouveras des explorateurs indépendants comme toi. Mais aussi plein d'aventuriers et de mercenaires. Il en arrive tous les jours. Big salutations à toutes et à tous, c'est JR le génie. On se retrouve pour ce deuxième épisode de Let's Play sur Final Fantasy Explorer sur Nintendo 3DS. Alors dans le précédent épisode, on a pu voir un petit peu l'intro, les quêtes de base, pour nous montrer un petit peu les quêtes tutoriels, et surtout les bases du jeu. Là, on va pouvoir faire enfin des quêtes principales maintenant. Explorer. Bravo, tu as obtenu tous les certificats, je vais t'expliquer ce que sont les quêtes de la guilde. Pour accepter une mission, choisis-en une dans les quêtes principales. Pour accomplir une quête, tu devras remplir un ou plusieurs objectifs. Si tu y arrives, tu obtiendras une récompense. Il y a d'autres choses à savoir, mais je t'en parlerai après. Avec ton talent, tu vas crouler sous les demandes, vive les missions et les récompenses. Ok, donc là, petit tour sur les quêtes tutoriels. Déjà fini, c'est bon. Et on va enfin pouvoir passer à d'autres quêtes, les quêtes principales. Vaincre 5 gobelins. Ok, si j'appuie sur X dans le menu des quêtes, il n'y a pas grand chose. Ok. Alors, le mec à droite, c'est le bureau des tâches. On donne ici des missions. Tu peux attribuer des tâches à des monstres alliés ou encore à des amis explorateurs. Il suffit de les rencontrer via Street Pass ou en mode multijoueur et d'avoir échangé vos passeports. Lorsque tes alliés ont effectué leurs tâches, c'est toi qui gardes leur récompense. Si tu as envie d'essayer cette technique, tu sais où me trouver. Attribuer des tâches et paramétrer StreetPass ici, ok. Les tâches permettent d'envoyer des monstres alliés ou des joueurs avec qui vous avez échangé vos passeports faire une quête à votre place. Lorsque la tâche est accomplie, vous obtiendrez une récompense. Il n'est possible d'attribuer qu'une tâche à la fois. Attendez qu'elle soit terminée ou annulée pour en donner une autre. La tâche est accomplie quand la durée impartie est terminée. La durée maximum peut être réduite en fonction des joueurs et des monstres alliés sélectionnés pour la tâche. Il est possible d'attribuer la même tâche à un maximum de 8 alliés, joueurs et monstres. Essayez de choisir ceux qui possèdent l'attribut ou la classe recommandée pour effectuer cette tâche. En choisissant des alliés qui possèdent l'attribut ou la classe recommandée, vous pouvez réduire encore plus la durée de la tâche. Cependant, une tâche peut coûter des giles en fonction de la qualification et du nombre d'alliés à qui vous l'attribuez. Voir la durée impartie et annuler tâche, consultez l'option tâche à partir du bureau des tâches ou du menu principal pour voir le temps estimé pour atteindre cet objectif. Dans ce menu, vous pouvez également annuler la tâche. Tâche accomplie, une fois la durée écoulée et la tâche effectuée, vous pouvez aller chercher votre récompense au bureau des tâches. Les récompenses que vous avez déjà seront automatiquement converties en giles. Ok, c'est un genre de menu dans lequel on peut sous-déléguer quelques quêtes et tout. A mon avis, ça doit pas être des quêtes compliquées. C'est vraiment pour faire fonctionner un petit peu le Street Pass et les monstres alliés. Et j'imagine qu'on va pouvoir récupérer des matériaux un peu plus rares dedans. On va fouiller un petit peu ce menu pour voir ce que ça donne. Ok. Non,
D'accord. Tiens, ici c'est quoi? C'est la voyante. Bienvenue chez la diseuse de Bonaventure. On dit que la chance sera avec toi si je lis les lignes de ta main. Tu n'as pas envie de savoir ce que le futur te réserve? Oh oh oh. Les pièces de jeu ou les giles dépensées pour connaître les visions de la voyante sont généralement rentables. Vision, la prédiction de la voyante se produit à la prochaine quête. Une seule vision est active par quête. Cette prédiction s'arrête à la fin de la mission. Attention, même si vous n'avez pas sauvegardé votre partie, vous ne pouvez dépenser que le nombre de pièces de jeu calculées par la console Nintendo 3DS. Ah, pour l'instant, j'ai pas trop de moyens, je vais faire que le premier, je pense, histoire de tester un petit peu. J'ai l'obtenu niveau 2. D'accord, c'est le système de buff qui permet de d'avoir quelques petits bonus avant de commencer des quêtes. Ok, donc là c'est l'atelier. L'atelier s'occupe de synthétiser de nouvelles pièces d'équipement et de renforcer les anciennes. Synthèse, combiner des matériaux pour créer des pièces d'équipement. Au fur et à mesure que vous accomplissez des quêtes, l'atelier propose de nouvelles recettes pour créer des pièces d'équipement inédites. Création d'accessoires, ces pièces d'équipement créées par synthèse possèdent des caractéristiques variables. Chaque accessoire est unique car il possède des effets latents et des attributs propres. Effets initiaux, chaque pièce d'équipement synthétisée possède ses propres effets latents. Ces effets ne peuvent pas être modifiés ou améliorés. Améliorer, renforcer vos armes et vos pièces d'armure avec des matériaux, ceci coûte des PC. Les matériaux sont des catalyseurs qui améliorent les attributs de votre équipement. Les magilites et les atmalites permettent d'ajouter de nouveaux effets latents. Améliorer les attributs selon la rareté du matériau utilisé, il est parfois nécessaire d'en utiliser plus d'un à la fois pour renforcer votre équipement. Ajouter des effets latents, rajouter un effet latent à une arme ou à une pièce d'armure avec un magilite ou un atmalite qui jouera le rôle de catalyseur. Si vous ajoutez un effet latent similaire à celui que l'équipement possède déjà, l'effet sera renforcé. Bon, on va faire un petit tour dans les armes pour voir ce que ça donne. Ok. Ça a l'air d'être un petit peu les armes de base. Avec des stats au niveau des pouvoirs latents, ok. Dans les boucliers, ça donne quoi? Je peux m'en faire qu'un seul. De la tête. Ah, j'ai rien en tête en fait. Du coup, n'importe où pas m'irait. Ok, au niveau du corps. Oh, c'est cool ça. Ok, je pense que je vais partir sur du métal. Ouais, ça augmente pas mal ma défense. Je peux déjà créer un pendentif en fait. Avant qu'on y est, je vais le faire. Et ça fait quoi? Ça a créé un pendentif PV plus VT. D'accord. Ah ouais, ça respecte pas forcément les stats, ça fait plus. Et je peux rien faire d'autre, je vais essayer d'améliorer pour voir ce que ça donne. Ça coûte pas mal en fait, hein, en matériaux. Et ça augmente un point la précision. Ah, c'est marrant la manière d'améliorer les armes. J'imagine qu'une fois qu'on a atteint la barre, on peut plus augmenter les stats de l'arme.
Ok, on va voir si la personne qui est à côté. C'est le magasin. Achetez et revendez des objets au magasin. Le stock du magasin change en fonction des quêtes que vous accomplissez. Alors qu'est-ce que ça propose là pour l'instant? Des potions et de l'éther. Ok. Au niveau des armes, ça a l'air d'être les mêmes qu'on peut crafter. Et aux pièces d'armure, c'est ce que j'ai actuellement, je crois. Ok. Tiens, qu'est-ce qu'il raconte lui? Hello. Ah, le cristal central. Les compétences s'apprennent en dépensant des PC au cristal central. Pour plus d'informations, consultez la section compétences du tutoriel. Compétences évoluées notées. Les nouvelles compétences évoluées sont notées au cristal central. Choisissez-les pour les apprendre. Vous pouvez noter jusqu'à 300 entrées. Au-delà, les compétences les plus anciennes seront effacées par des nouvelles. Pour éviter que les compétences ne soient effacées, sélectionnez l'option garder. D'accord, il y a moyen de verrouiller. Oublier des compétences évoluées. Dans l'écran vérifier oublier, il est possible d'oublier les compétences évoluées apprises dont vous n'avez plus besoin et de les transformer en PC. Renommer des compétences évoluées. Dans l'écran vérifier oublier, choisissez l'option renommer pour modifier le nom d'une compétence évoluée, 16 caractères max. Ok, comment on les différencie? Ah ok, il y a marqué arme de lutte dessus. Donc j'imagine que c'est vraiment pour tout ce qui est moine, corps à corps. Magie noire, magie blanche, ouais. Donc on voit à peu près à qui correspond quelle compétence. Épée. Bah voilà. Ça va être un petit peu mon truc. Alors, il y a quoi dans compétences évoluées? Ah, c'est les compétences que j'ai obtenues avec les flux cristallins. D'accord. Ah ouais, ça va en faire des compétences à débloquer du coup. Ok, il me reste une personne à voir ici. Oh, il est mignon. Une plume de phénix. Et à son petit bruit mignon. Ok, par ici y'a quoi? Laboratoire? Avec des monstres au village? Ok, ça a l'air d'être pour plus tard, mais le coup des monstres dans le village, ça me dit rien du tout. Alors on va faire un petit tour dans l'équipement. Je vais m'équiper du pendentif que j'ai récemment crafté. Sur le reste, j'ai pas d'autre équipement. Alors, chose que je voulais placer, l'entaille lunaire sur Y. Ça faisait bizarre d'ouvrir tout le temps le menu en fait avec X. C'est quoi ces compétences?
va en profiter alors maintenant pour changer de classe. Est-ce qu'il y a des choses à vérifier avant? Les pré-réglages? C'est quoi ça? Ah d'accord, c'est pour enregistrer les sets. On va renommer le premier pré-réglage alors du coup. Mettre un truc classique. Freelancer, tiens. Voilà. Mode de jeu permet de passer en multijoueur, apparemment. Ok, au niveau des quêtes, y'a rien à voir. Street Pass, passeport. Votre passeport? Oh, ça a l'air complet ça. C'est quoi? C'est ce qu'on envoie au Street Pass. Ah, il y a 6 pages quand même. Équipe actuelle, il n'y a rien dessus. Ah, c'est des titres qu'on débloque au fur et à mesure en réussissant quelques objectifs. Du coup, en se les débloquant, on peut se les équiper juste après. Et commentaires. Ah, c'est la petite phrase qui est en bas. On va mettre ça. Piquer lutation, tiens. C'est quoi sa confidentialité? Ah, on peut cacher les infos qu'on partage avec notre passeport. C'est marrant ça. Enfin, je trouve pas ça très utile, mais c'est marrant. Ok, un petit tour sur les apparences, on va voir ce que ça donne. Y'a quoi? Ah non, non, y'a quelque chose que je voulais voir un petit peu dans les apparences. Ah ouais, quand même, 10 000 giles pour pouvoir changer de sexe. C'est très RP tout ça. Même dans les jeux vidéo, ils te font payer la chirurgie. On n'a pas grand chose apparemment dans les options. Et enfin, l'encyclopédie. Avec la liste des monstres. Pour l'instant, j'ai pas fait grand chose. Ok, on a suffisamment traîné dans le menu. Une petite sauvegarde obligatoire.
Et on va commencer à s'intéresser un peu mieux aux classes. Là, dans l'idée, je veux être chevalier déjà. Ah, on finit à poil. Bon, je vais déjà acheter les compétences qui vont avec. Il y a dévier, ok. Lame sonique. Et arme sanglante. Bon, on va s'équiper correctement déjà. On va se remettre l'épée. Bon, la tenue de base. Ainsi que le pendentif. Je vais voir ce que je peux faire. Ah, je vais retirer la provocation ici. Je vais plutôt la mettre en A. Je vais mettre mes skills d'attaque en R. Ah non, je vais plutôt les changer. Je vais mettre la provocation en R. Et mes skills d'attaque en L. Dévier, ça fait quoi? Dévier une attaque. Non, tiens, si c'est de la protection, je vais le mettre sur la touche B. En A, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la lame sonique, tiens. Ensuite, en Y, je vais mettre l'arme sanglante. Apparemment, ça me permet de récupérer des PV et un peu plus si j'utilise des vies avant. Donc voilà. Allez, c'est parti. On a assez traîné dessus. On va aller prendre une petite mission et voir ce que ça donne. Bon, le but est de tuer les gobelins apparemment. On va tester un petit peu les nouveaux skills. Ça me récupère une centaine de PV, c'est pas mal, hein. C'est pas dégueulasse. Ça me protège d'un coup apparemment. Et la sanguinaire me récupère le double des PV, on dirait. Ouais, c'est ça, ça me fait quasiment le double des PV. J'étais à une centaine tout à l'heure. Waouh! Ça part vite la lame sonique. Bon, ça c'est déjà fait. Les premières quêtes vont pas être super intéressantes apparemment, si c'est que des quêtes dans ce genre-là. Ok, on va avoir une autre mission, Mika aux abois.
Ah, cette fois-ci, il propose d'aller dans une autre zone. Enfin, quoique, si on peut la faire ici. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de faire dans cette quête? Vaincre 5 crapauds? En tout cas, il y a déjà un nouvel ennemi qui ne résiste pas du tout. Donc, si je me trompe pas, c'était dans cette direction-là. On va commencer à se déplacer dans cette direction-là, mais j'en profite pour farmer un petit peu ces ennemis-là vu qu'ils sont tout beaux, tout neufs. Ça me permet de me déplacer aux plaines de Leggy. Ah bah tiens, les crapauds sont là. Ouais, c'est bien ça, c'est bien eux. Oh, il y a un chocobo pas loin. J'ai attaqué l'autre ennemi avant, mais c'est marrant, on peut pas le monter. Bah, Atmadite de crapaud, c'est tombé vite. Ah, je suis obligé de le taper. Ah, c'est dommage. Je voulais le récupérer comme monture. Enfin, je sais pas si on peut dans ce jeu. Il en reste plus qu'un à tuer. Et voilà, c'est fait. Tiens, je vais bien tester l'anti-soutien pour voir ce que ça donne. Y'a que avec dévier que je peux le faire. Guérison, altération. Ok, les missions sont accomplies. Ça en fait une de plus déjà. Pour un début, en fait, les missions sont un petit peu classiques, j'ai envie de dire. Oh, un événement. Claire, salutations, c'est toi qui viens d'arriver à Libertas. Je suis Claire Tulle, mage de la cour royale de Lilium. Cela risque de te surprendre, mais notre royaume souhaite te faire une offre. Notre équipe récupérait des cristaux sur les contreforts d'Iba quand nous avons été attaqués. Par un dragon rouge. Les dragons rouges sont effroyables, si on ne les combat pas, ils risquent de tout ravager. Nous espérons qu'un membre de la guilde nous aidera à les exterminer au plus vite. Je viens de déposer une quête à la guilde, merci de la consulter. Je pense que cette mission sera bénéfique à notre royaume et à toute l'île aussi. D'accord, j'ai l'impression que c'est les quêtes qui sont un peu clés pour avancer dans le scénario. Alors on va voir tout de suite la nouvelle quête. Ah, ça a l'air de se passer à droite.
Ok, alors comment ça se passe? Je vais récupérer déjà ça. Ok, ça a l'air d'être dans cette direction-là, c'est bien ça à droite. Ça a l'air d'être un volcan en fait, ouais. On va remettre la carte. Alors lui, je vais faire l'effort de le taper parce que j'ai pas assez douté sur lui. On sait jamais s'il peut me lâcher un truc intéressant. Waouh, la musique elle est dynamique. Il se trouve ici en fait. Ok, je me suis débarrassé d'eux déjà. C'est quoi ça? Obligé, on peut fouiller. Pépite de fer? Ah cool. J'en ai besoin en plus pour crafter l'armure de métal. Ah génial, j'en ai deux. Ah c'est marrant, sur la map, on voit le boss apparemment. Je le tends même d'ici au niveau des pas. Ok, je dois trouver un moyen de le rejoindre. Apparemment, faut faire le tour. Ah, je ne peux pas passer par là directement. C'est inaccessible. On va essayer de passer par ce chemin. Je vais devoir me taper tout le tour en fait. Ah, la mobilité augmente quand je fais cette attaque là. C'est bien ce que je m'étais dit en plus. Du coup, je pense qu'il y a moyen de faire un truc sympa avec cette attaque. Ouais voilà, ça c'est cool ça. Je vais la lancer à l'envers pour profiter du recul et avoir un petit boost de vitesse, ça me fera gagner plein du temps. Est-ce que ça fonctionne bien sa provocation? Ouais. On verra ça sur un autre groupe d'ennemis. Donc. Faut que je commence à m'habituer un petit peu à ce style. Mais non, il s'est déplacé. Bon bah on va récupérer un peu de vie sur lui hein. J'ai l'air de me rapprocher du boss. Encore des gobelins qui se baladent. Waouh. Il a une bonne tête en fait le dragon. Charge brusque. Ah c'est marrant, on voit les attaques des dragons. Je vais commencer à récupérer les objets. C'est cool en fait, si on n'y va pas de manière trop bourrin, on peut voir les attaques du boss Pyrosouffle. Il
coup de queue, ça donne quoi? Ok, j'ai réussi à m'esquiver ça. Alors qu'est-ce que je peux faire? Tiens, je vais tester débilitant. Pyro souffle. Ah mince, j'ai raté. Dévier 1. Ça a pas l'air de changer grand chose. Ah bah voilà, c'est cool. Et je vais en profiter pour ramasser les objets ici. Il y a une question que je me posais. C'est, est-ce qu'il est possible de faire des sauts? Genre de descendre d'ici. Non, pas du tout. Le jeu bloque totalement quand on veut faire des actions de ce type saut. Bon, 5 minutes pour faire cette quête, ça va. Alors, tu as accepté d'éliminer le dragon rouge, Claire était ravie. Libertas a eu chaud aux fesses, merci d'avoir débarrassé le village de cette menace. Au fait, si tu as besoin de remplir tes stocks, il y a un marchand itinérant sur la colline. Il y a toujours des produits étonnants, tu pourrais aller voir. Le mog itinérant. Les giles et les pièces de jeu permettent d'acquérir des objets rares. Mogro, le marchand itinérant, apparaît parfois à Libertas lorsque vous revenez d'une quête. Inventaire changeant, le stock de Mogro se renouvelle en fonction des quêtes que vous avez accomplies. Ok, un petit attention pour les pièces aussi. Alors j'ai eu droit à quoi comme nouvelle quête? Tu peux désormais entreprendre des sous-quêtes. Les sous-quêtes peuvent être effectuées en parallèle des quêtes principales. Une fois tes sous-quêtes terminées, reviens ici pour me signaler qu'elles sont accomplies. Les sous-quêtes sont un bon moyen de gagner de l'argent, tu devrais essayer. On va voir ce que ça donne au niveau des sous-quêtes. Accumuler 100 points de résonance. On peut aussi livrer des matériaux. Par contre, prérequis, ah, ça demande de l'argent. Ah, je peux déjà en accomplir deux. On va donner les ferrailles rouillées pour voir ce que ça donne. D'accord, on récupère du PC, les récompenses forcément. Et livrer la potion aussi. Il n'y en a pas d'autres du coup? Il n'y a que ces deux-là? Ah! En quittant tout, ça le met à jour. Donc là, du coup, il y a des nouvelles. Je vais la prendre. Ouais, j'ai pas ce qu'il faut. Bon, il me reste plus qu'à aller voir Mogro. Oula, il a l'air pervers lui. Je vais là où le vent me porte, pour. Je suis Mogro, le marchand itinérant. Je tombe toujours sur des trésors dans mes voyages. Je te conseille de les acheter avant que je ne reparte, Coupeau. Mon prochain voyage est pour bientôt, Coupeau. Si quelque chose te plaît, c'est le moment de l'acheter. Ok, là il propose quoi? Il propose des potions que je peux soit acheter avec des giles ou soit avec des pièces de jeu. Ah bah c'est bien ça. Au moins ils ont fait l'effort d'incorporer les pièces de jeu. Bon, est-ce que je peux faire de nouvelles armures?
Ah, cool. J'ai ce qu'il faut pour pouvoir faire l'armure de métal. Bon, c'est déjà un début. Ok, je vais en profiter tout de suite pour m'en équiper. Et on va enregistrer ça dans un nouveau set. On va appeler ça Knight. Non, vas-y, on va appeler plutôt ça Chevalier. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Je vais juste les appeler par rapport à la classe. Ok. Bon, du coup, on a pu faire quelques quêtes supplémentaires. On a bien vu que faire des quêtes permettait d'avoir la possibilité d'enchaîner sur une autre quête principale qui nous permettait d'avancer un petit peu dans le scénario. Moi, sur ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode avec d'autres quêtes supplémentaires, la suite du scénario, j'imagine. Alors sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager la vidéo si ça vous a plu. Je vous fais plein de pic à poutou et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.